Coucou mes bad bitches, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un tuto totalement différent de ce que j'ai l'habitude de vous proposer. Parce que d'aujourd'hui jusqu'à jeudi, normalement, vous allez avoir une vidéo par jour avec un thème inspiration Halloween. J'ai décidé ça hier. Je vais vous proposer une vidéo par jour, juste de lundi jusqu'à jeudi, où je vous proposerai des maquillages inspiration Halloween. Je ne suis pas un grand fan d'Halloween. Je vais essayer de vous proposer des maquillages assez différents, plus ou moins faciles. Je puisse vous montrer un peu les choses que moi je ferais si j'étais amené à aller des soirées Halloween. Donc pour ce look, je me suis inspiré d'un maquillage de la youtubeuse Simple Symphony. Donc c'est un look qu'elle avait fait l'année dernière, il me semble. Donc du coup, je me suis un peu inspiré, j'ai un peu retravaillé à ma sauce. J'ai l'impression de baver, wesh. Attends. Ah non, c'est le fond de teint. T'es dégueulasse. Alors, ne mangez pas le fond de teint chez vous si vous avez un petit creux, hein, parce que c'est pas terrible, hein. Bref, du coup. Je me suis inspiré d'un look de Simple Symphony, j'aimais trop cet effet du fond de teint qui dégouline. J'ai bien aimé l'effet de le faire sur un truc pailleté, sur une peau un peu pailletée, et essayer de faire un rappel couleur avec les yeux et les diamants et la couronne. Du coup, j'ai pas trouvé de paillettes très noires, et j'avais que ces paillettes avec un effet un peu duochrome bleu, il y a un peu de bleu, du blanc, enfin du vert. Enfin voilà, c'est vraiment plusieurs couleurs. Donc du coup, j'ai essayé de retranscrire ça avec le maquillage des yeux, donc j'ai fait du violet et du bleu. Un smoky noir très simple. J'ai bombé la couronne et les stickers scotchés là. Je les ai bombés avec une bande assortie aux paillettes en fait. J'ai un peu galéré. Vous savez très bien, moi je suis pas spécialité FX et compagnie. Donc du coup, j'ai fait avec mes techniques. J'ai caché mes sourcils et quand j'ai commencé à travailler le dégradé, du coup, la colle commençait à s'effriter un peu. Donc du coup, ça m'a fait bien chier. Vous allez le voir dans la vidéo. Mais sinon, voilà, je suis plutôt content du résultat. C'est hyper simple à faire. Aussi bien les yeux que le bas. Voilà, j'espère que cette mini-série vous plaira. Et je vous laisse rester avec moi pour la suite, bitch. Pour commencer, j'ai masqué mes sourcils et j'ai mis du fond de teint sur la partie supérieure de mon visage. Ensuite, j'ai appliqué ma base Pell-Biz sur l'ensemble de ma paupière jusqu'à mes sourcils, en fait, jusqu'à sur mes sourcils. Que je viens ensuite blender avec ma Battle Blend chez Joannes Beauty. Ensuite, je prends ma palette Anastasia Beverly Hills Norvina Collection No. 1 et je prends la teinte violette. Mon pinceau était sale. Donc du coup, j'ai changé mon pinceau et je dégrade la couleur dans le coin interne de ma paupière en l'étirant bien vers l'extérieur. Ça commençait déjà à peler, mais c'est pas grave. On continue, je prends la teinte bleue. C'est le bleu un peu pailleté qu'il y a dans la palette que je juxtapose avec ma couleur violette et que j'étire en remontant légèrement sur l'extérieur. Pour dégrader le tout, je prends la tête un peu bordeaux marronné. Ensuite, je prépare ma base de smoky avec un crayon bien gras de chez Kiko que je viens de dégrader. Avec un petit pinceau. Ensuite, je prends la teinte noire de la palette pour recouvrir la totalité de ma paupière avec. Et bien sûr, je fais bien attention de bien dégrader ma couleur de transition violette et bleu avec le noir. Je fais pareil sur le ras de cils inférieur. Je mets mon crayon en base pour bien accrocher les pigments et que le noir soit bien bien intense. Et je mets aussi du crayon noir dans ma muqueuse inférieure. Et tout de suite, je viens dégrader avec le fard. Et je fais la transition comme sur la paupière supérieure. Le coin interne, je le fais en violet. Et le coin externe, je le fais en bleu. Pareil de l'autre côté. Bien dégrader, bien tirer le maquillage. Ensuite, je prends mon mascara Perversion de chez Urban Decay. Je mets sous mes cils de vache là. Ensuite, je prends le fard violet légèrement irisé avec des paillettes dorées trop beaux que je mets en coin interne. Ah oui, j'ai mis des lentilles noires. Hein. Ensuite, je prends mes stickers que je viens placer, donc le plus gros au centre de mon front, mon gros front là. Bref, je le plaque bien comme il faut et je mets les deux petits bouts en dessous. Les deux petits bouts, n'importe quoi. Les deux petits stickers, je les mets en dessous. Le résultat. Ensuite, donc je vais venir prendre un fard gras noir, un fard à l'eau noir, pardon. J'ai mis un peu de brumisateur Evian. Et je vais peindre tout le bas de mon visage. Alors j'ai la barbe, c'était un peu galère, mais du coup ça passe très bien. J'aurais pu l'enlever, mais j'avais pas envie. Flemme. Donc du coup, je recouvre avec un grand pinceau large tout le bas de mon visage, mon beautiful visage. Comme j'ai vu que c'était pas assez opaque, j'ai pris un fard gras
du coup, que j'ai appliqué et que je suis venu blender avec une Battle Blend de chez Johannes Beauty. Donc du coup, je vous ai rapproché parce que vous n'étiez pas assez près. Donc là, j'ai recommencé et une fois que j'ai fait ça, je viens retravailler les bords avec du fond de teint. Ensuite, j'ai mis du gloss pour que le bas soit assez collant pour ensuite appliquer mes paillettes sans glitter. Donc j'applique, j'estampare avec ma Battle Blend. Et j'ai pris des paillettes de chez Loisirs et Créations que j'ai mélangées dans un gros pot. Et voilà, donc avec un gros pinceau assez large que je n'aime pas trop parce que du coup après le fard gras va un peu l'abîmer. Je viens appliquer toutes mes petites paillettes sur le bas de mon visage. J'ai posé ma Bite Crown. Je prends mon highlighter de chez Jeffree Star, mon Supreme Frost, je n'ai plus la référence, que je vais appliquer par-dessus, comme il est un peu bleu et violet, du coup je me suis dit que ça allait être bien. Ensuite, j'ai pris mon fond de teint Urban Decay que j'ai utilisé pour faire mon teint, pour faire mes couleurs. Donc du coup, comme je vous ai dit, le rendu était un peu différent que ce que j'attendais parce que voilà, le fond de teint humide, il n'a pas la même couleur que quand il est sec. C'est bien le même que j'ai mis sur mon teint, mais voilà. Et voilà le résultat. Donc voilà, maintenant que le maquillage il a bien coulé, bien dégouliné, bien rentré dans ma bouche, on a terminé ce look. J'espère qu'il vous plaît, donc vous avez vu, c'est très facile à réaliser. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces si c'est le cas. Si vous reproduisez ce maquillage, n'hésitez pas à m'envoyer des photos, taguez-moi, Johannes Glow sur Instagram, que je puisse le retrouver. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous mes bad bitches.